Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Kevin, Kevin Marin. Je mets son Insta en, bas, d'accord, vous pouvez le rajouter. Et on est aussi en compagnie de Nadja. Alors Nadja, aujourd'hui, elle rencontre un problème. Comme vous le savez, en ce moment, la baïa fait polémique. Et beaucoup de femmes qui portent la baïa se voient pointer du doigt à cause de ce vêtement. Je ne prends parti pour personne, juste je pense qu'il ne faut pas harceler les gens. Moi, je pars juste de ce principe-là, je ne vais pas avoir d'opinion politique. Oui, je suis pour, oui, je suis contre. Je n'ai pas envie de créer de polémique, de rentrer dans des débats politiques alors que je ne suis pas dedans. Juste voilà, aujourd'hui, on a une jeune femme, d'accord? Parce que derrière cette abaya, il y a quand même une jeune femme. Une jeune femme qui se fait harceler, qui se fait agresser parce qu'elle porte une abaya. Donc bonjour Nadja. Aujourd'hui, donc, tu nous as contacté parce que tu te faisais harceler. Donc les personnes qui t'agressent et qui te rendent la vie difficile, c'est toujours les mêmes personnes? Oui. Et c'est toujours au même endroit? Toujours. Donc c'est quand tu balades, c'est... Tu m'as dit, j'aime bien me mettre dans un parc, le soir en plein d'après-midi, j'aime bien me mettre dans un parc. Et c'est toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Et qu'est-ce que... Je me mets toujours au même endroit aussi, donc... Et pourquoi t'as pas pensé à changer de parc ou aller ailleurs? Ben après, il est proche de chez moi, j'ai pas changé ma façon de faire, mes habitudes pour certaines personnes. Après, c'est compliqué, mais je peux pas moi, toujours. Déjà au quotidien, on se fait assez pointer du doigt, on est toujours remarqué, on a toujours... on est stigmatisé de partout. Si en plus, je peux pas aller dans un parc le soir, tranquille, faire ce que je veux, m'asseoir sur un banc et déranger personne, ça va être compliqué, et toute ma vie, je reste chez moi et je fais plus rien. Ouais, je comprends. Bon, écoute, nous, de toute façon, t'as équipé des micros, ok? On va se mettre une caméra cachée, on va aller dans le parc en question, tu vas nous montrer où c'est. Et on va y aller voir s'il y a les jeunes, ils sont tout le temps là? C'est leur endroit de rendez-vous. Oui, c'est leur point de rendez-vous, quoi. Ils restent tout le temps là. Okay. Donc si on y va, là, on a des chances de les croiser. Normalement, oui, c'est à peu près vers les 20h. D'accord. Donc on va aller dans le parc en question, on va voir s'il y a les jeunes. S'ils ne sont pas là, ben, la vidéo, on la tournera un prochain jour où il y aura les jeunes et elle sortira à ce moment-là. Si des jeunes sont là, on va laisser Nadja faire comme elle fait d'habitude. Elle ne va rien changer du tout et on va voir comment ça se passe. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et on espère que les choses vont mieux se passer, ok? Oui. Allez, de toute façon, dans tous les cas, on est à côté, tu risques rien. Allez, bon visionnage à tous et à de suite, on va au parc et on voit comment ça se passe. Donc là, on est arrivé au parc. Nadja nous a dit que c'était ces deux personnes d'habitude, ils sont plus que ça. Ouais, des fois, ouais, ça dépend, mais après, j'ai déjà vu les deux. Là, les deux, ils t'ont déjà emmerdé. Les deux, je les connais. D'accord. Donc là, les gars, ça tombe bien parce qu'on est au parc. Voilà, on est au parc là où elle traîne Nadja des fois après le travail. Et là, il se trouve qu'il y a deux de ses agresseurs qui sont là. Donc, tu me confirmes que c'est bien eux? Oui. Ok. Bah écoutez, on va faire passer Nadja et on va voir comment ça se passe. C'est méchant ce que je dis, mais j'espère qu'ils vont t'emmerder. Comme ça, au moins, on peut les attraper et leur faire un truc de fou. Allez, c'est parti. Bon les gars, voilà, là on a Nadja qui s'approche. Ça va, tu vas bien? Ben rien. Alors, on balade encore ou quoi? Ben oui. Viens. Non. Viens avec toi, viens avec. Mais je comprends pas ce que vous voulez. Viens avec toi, on va parler avec toi, tu vas bien. Non. En fait, tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il y a un truc. Mais là, non? Non, mais c'est bon, arrêtez, tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, vous faites un truc. Elle veut partir. C'est bon, arrêtez, je rentre. Ça va, c'est bon, je rentre. Arrêtez, c'est bon. Allez, mais viens là-bas. Après, je fais rien. Tous les jours, je passe, je vous fais rien, je vous dis rien. C'est bon, pourquoi? Je vous fais quoi de mal? En fait, t'as pas compris. Ça, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Si, c'est interdit. Mais non. En France. Et alors? En quoi je vous dérange? Parce que c'est la lutte. Parce que vous faites ce que vous voulez. Quand vous venez chez nous, c'est bon. Si nous, on met une croix, vous pouvez couper la gorge, c'est bon. Mais qui vous fait ça? C'est des gros racistes. Ah, ne dis pas, tu sais très bien. Mais non, mais ça, c'est encore vos... Maintenant, tu vas enlever ça. Vos préjugés. Ah, d'accord. Et du coup, en dessous, non, je... C'est mon problème. Mais non, en fait, je garde ma tenue. Est-ce que je suis devant d'enlever ton short, tout ton pantalon? Mon short, c'est... Je suis libre de... Mais c'est bien, c'est religieux, la baïa. Ah bon, c'est quoi, ça? C'est une tenue. Bah, ça s'en va différent, mais la baïa, c'est une tenue. Ah bon, maintenant, tu vas nous prendre... On veut pas d'arabe de... nous ici. Donc, tu enlèves ça en France, allez. Bouge un peu ça, vous êtes bien, vous vous comportez comme des... À l'époque, ça s'appelait pour les... qui portaient les... Ouais. En plus. Putain, des conneries qui peuvent débiter les mecs. Incroyable. Je te mets un taquet maintenant. T'as compris, ici, tu es en France, ici. Mais je travaille, hein.
Qui tu travailles? Tu n'as pas une dégaine à travailler? Mais je travaille, j'ai le patron 4 jours par semaine. Quel patron va tout voir? Mais je travaille, bien sûr. Ben oui. C'est interdit de travailler comme ça. Non, je ne l'ai jamais vu, moi. Je me mets juste un foulard sur la tête. Ah bon, pour faire quoi? Pour faire joli? Mais non, par rapport à mon religion. Ah ben oui, voilà, comme tu l'as dit, par rapport à ta religion. Mais un foulard, bien sûr. Mais la baïa, quel rapport? La baïa, c'est pas par rapport à la religion, alors tu veux comprendre. Entre le foulard, le voile. Non, laissez-moi mon foulard, laissez-moi. Alors, soit tu l'enlèves, mais là, non, mais laisse-moi. Soit je m'énerve, Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous cassez les couilles, c'est comment? Ah mon beurre. Et alors, on va pas. T'es où? Il est en train de parler. Il nous a pas reconnu. Il est parti là. T'inquiète, pas de courir après, frérot. On n'a pas un ananas, ça suffit. Pas de collègue, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, mon beurre? Qu'est-ce qui se passe, les gars? On est en France, on n'est pas en France. Ah ouais, on est en France, frère. Je crois, on est bien en France. Je sais pas, il faut. Nadja, pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Puis comment? C'est quoi le problème avec ce jeune fille là? Dis-moi. Il y a quand même pour te voir la robe, tout ça. Et alors, ça peut te foutre. Et alors, mais quoi? Tu portes bien une t-shirt Moncler, toi, mon beurre. Ah, c'est bien, alors, moi je suis habillé correctement. Je suis pas habillé dans la rue, hein, j'ai la barre. Ah, c'est une raison pour laquelle. Je sais, frérot, tu es sérieux là? Deux mecs sur une femme. Deux mecs sur une femme. Et à chaque fois, je pensais pas qu'on allait arriver jusque là non plus. Imagine si c'est ta soeur ou ta cousine ou je sais pas qui. Il arrache la tête, mec. Ah, il changera pas de version. Là, tu t'excuses, tu veux pas t'excuser, non? Je m'excuse, pourquoi? Parce que nous, on nous respecte. On nous respecte, les gars, ou quoi? Mais comment ça, on te respecte? Bien sûr, quand t'es... Qu'est-ce qui... Elle te respecte pas parce qu'elle porte une abaya, là? Ah ben non. Non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect? Ah ben ouais, c'est un. Et si tu faisais comme si tu la voyais pas, c'est question... Ben, ça serait difficile de pas la voir. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça. Mec, il est sérieux? Je n'arrive pas à comprendre le délire. Je comprends pas la haine que tu peux avoir parce qu'une personne porte une abaya, frérot. C'est interdit, mais ça respecte pas. C'est interdit de porter une abaya, c'est un vêtement. À l'école, après tout ça, je rentre pas dans ce débat. C'est pas moi qui en décide, mais je suis pas à l'école. Mais combien de fois tu l'as harcelé dans un parc? Combien de fois vous l'avez harcelé? À chaque fois qu'elle passe, vous la rendez fois? C'est quoi? Là, c'était quoi la prochaine étape? Si tu la déshabilles, tu la mets à poche. Je comprends pas. C'est pas public. Ouais. Là, si on n'intervenait pas, ça allait jusqu'à où? Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? On la déshabille? J'aimerais bien savoir. Ça parle, mais quand même, on voulait faire papa, il faut que l'homme, c'est tout. Mais elle n'enlèvera pas, mec. C'est pas si t'as fait quoi? Un débardeur, un shorter à la tête? Oui, mais c'est pas. T'habilles normal, surtout. Je dis pas d'être un débardeur. Tu sais ce qu'on va faire? Kevin, tu vas ramener Nadja chez elle. Oui. Je vais rester avec monsieur, moi, d'accord? Je vais discuter avec lui, je vais m'occuper de lui personnellement. Oui. Ramène Nadja, j'ai pas envie que. C'est bon, là, c'est bon. T'inquiète, Nadja. Tu vois cette personne-là? C'est la dernière fois que tu la verras ici. Tu me fais confiance? Kevin, parle avec elle. Okay. Ramène-la. C'est bon, elle a assez subi aujourd'hui. Moi, je vais rester avec notre ami. Viens, mon pote. Viens, on va discuter, mon pote. On va discuter, parce que là, tu fais honte à tous les Français, frérot. Je t'explique. Ah, si, tu veux. Quand il y a un règlement à respecter, on le respecte pas, c'est tout. Viens, mon bébé, on va parler. Là, tu sais que ce que tu as fait, c'est du harcèlement, c'est du racisme, c'est ce que tu veux. Et en plus, je vais même te dire mieux, regarde. T'as une caméra là et t'as filmé. Tu me filmes en plus, hein? Je te fous de moi ou quoi, là? C'est quoi ce bordel? Tu me fais passer pour un raciste, là? Attends, j'ai pas compris. Je te fais passer pour quoi? Tu me fais passer pour un raciste, là, ou quoi? Pour un raciste? Vous me filmez, vous me faites publier, là? C'est quoi, frérot? Attends, je t'explique un truc. T'es raciste ou tu es pas raciste? Je suis pas raciste, je m'en bats les... Vous me filmez pas, les gars, c'est quoi ce bordel? Assume de quoi? Tu me fais passer en public, tu me fais passer pour quoi, là? Mais attends, je te fais pas passer pour un raciste. Je te fais passer pour ce que tu es vraiment. Pourquoi tu as honte devant les gens et pourquoi quand la femme elle est seule, ça... Vous me cassez les... Vous dites là-bas, vous si, vous là. C'est bon, tu veux aller plus loin, hein? Vous nous prenez tout, vous venez, vous nous mangez tout. Vous nous faites chier, vous avez pas compris? Vous nous faites chier. Vous nous emmerdez. Non. Vous nous faites... On vous dit rien, vous emmerdez pas et quand vous... À un moment donné, après vous nous faites tout. Vous nous rendez fous. Attends. C'est bon comme ça maintenant, vous nous emmerdez. Attends. Et après, tu fais passer pour une... Non, écoute-moi. Moi, tu dis vous, mais moi, je suis pas musulman. Mais tiens, il y a Kevin qui est arrivé.
Ah, Kevin, il arrive. C'est mon collègue avec qui j'étais tout à l'heure. Alors, tu l'as ramené? Ouais, mais j'ai une idée, je lui ai demandé si elle pouvait me le passer, parce qu'elle en avait plein, elle m'a dit. Ouais. J'avais une idée pour une sentence, si tu étais d'accord. Ah, mais dans tous les cas, oui, ah oui, parce que l'histoire n'est pas finie, parce que là, oui, tu vas te faire retrouver sur YouTube. Mais après, je peux te proposer une solution, parce que ton collègue, il nous connaît, lui, et s'il est parti en courant, c'est qu'il nous connaît. Ah oui. Tu demanderas ce qu'on fait. Le truc, c'est que je te laisse le choix. Soit je mets ton visage sur Internet, comme ça, et soit je peux te flouter pour pas qu'on te reconnaisse. Comme ça, tu peux marcher tranquille dans la rue, parce qu'en plus, on est à Marseille, gros. Des musulmans, il y en a beaucoup. Mais en échange, on te fait une petite sentence, un petit truc gros, là, tu vois. J'ai une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te montre sur YouTube, on montre ton visage, on montre ta gueule, ou on te fait une petite sentence façon camouflage? Vas-y, mais là, vas-y, jusqu'au bout maintenant. Tu comprends? Tu veux? Tu assumes? Je trouve qu'il est. Attends, mais si tu es un homme. Tu vois? Oui, mais si tu es un homme, tu vas jusqu'au bout, tu me dis Anto. Parce que moi, c'est mon prénom, c'est Anthony. Tu dis Anto, moi je m'en fous, j'assume ce que je dis, montre mon visage sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu mets pas mon visage sur Internet. Tu veux pas qu'on mette ton visage sur Internet? Ah, je le reconnais. Donc on va faire une petite sentence. Tu es d'accord pour la sentence alors? Une petite sentence. T'as pas le choix de toute façon. Ah, vas-y, c'est quoi? Vas-y, envoie ta note. Alors, tu vas venir avec nous, on va te montrer ce que c'est la sentence. Les gars, vous savez, on va faire une petite sentence façon camoff. On se refilme une fois que la sentence est prête, comme ça on vous laisse la petite surprise. C'est quoi ton prénom? André. Eh bien, André. André, c'est un prénom bien français pour le coup. Bon les gars, on a fait la sentence avec Kevin, on a trouvé une bonne idée. Kevin a eu la bonne idée d'ailleurs. Kevin, est-ce que tu peux me montrer ce que tu as dans les mains? Voilà, donc on a son t-shirt, d'accord? Voilà, vous le reconnaissez, c'est son t-shirt qu'il avait tout à l'heure. Mais comme on l'a un peu dévêtu, bon, c'est pour ça qu'on peut le montrer à la caméra, parce que sur Internet c'est un peu... Sur YouTube, c'est, voilà, si on déshabille un mec, je pense pas que ça passe bien. Mais voilà, si vous voulez voir la sentence, c'est dans 3... 2, 1, mais je pense que vous avez déjà compris. Et c'est là. Eh, montre-toi, n'aie pas peur. Tu seras flouté, ne t'inquiète pas. Pour un raciste, je pense que c'est le comble de porter une abaya. Cependant, il faut savoir que Nadja nous a donné, comme on l'a dit tout à l'heure, elle nous en a donné un autre, parce que vous savez, les femmes qui portent ça, ben, elles en ont plusieurs. Donc elle nous en a donné une qui est exactement la même, qui était d'ailleurs, vous voyez, elle est propre, elle sort du, la même, copie elle sort du pressing, je ne sais pas d'où elle sort, mais elle est nickel. Hein. Et du coup, notre ami, bah, il a accepté cette petite sentence, parce que sinon, tout le monde allait savoir que c'était un gros raciste. Et comme il n'a pas envie que tout le monde sache que c'est un gros raciste, il a préféré y porter une abaya. Donc voilà, on ne va pas te rendre le t-shirt d'ailleurs, donc du coup, tu vas être obligé de le garder ça. C'est bon, pour moi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Tu imagines, tu rentres comme ça chez toi. Imagine, non, il y a des gens et tout. Attends. Le chien va l'attaquer. Non, on va descendre. Le chien, vous le choquez. Vas-y, suis-le, frérot, suis-le. Le mec est choqué. Il rigole, le mec. Et il part en courant. Il traversait le bois, ce con. Regarde-le. Tu le vois courir, Quentin? Tu le vois? Tu l'as chopé? C'est bon, on l'a eu. Oh putain, c'est drôle, hein. Voilà. Elle rigole. Oh là 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 là. Bon les gars. Excellent, c'est une vidéo excellente. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à Kevin d'avoir été là. Bon, on n'a pas eu besoin de renfort, mais c'est toujours bien d'avoir une deuxième personne avec nous, on ne sait jamais comment ça peut finir. Mmh. En attendant, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit message que je voulais faire passer, c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de quelle origine on est, je pense qu'on est dans un pays laïque et que tout le monde doit respecter l'opinion de chacun et le style vestimentaire de chacun. Voilà, si quelqu'un a envie de porter une abaya, s'il a envie, il la porte. Si quelqu'un a envie de se trimballer torse nu, il devrait aussi pouvoir le faire. Mmh. Mais voilà, on est dans un pays libre et il faut que ça le reste. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Force à toutes celles et ceux qui ont des abayas et qui se sentent pointés du doigt sans arrêt, agressés et machin, et pas chez eux. Sachez qu'en France, c'est une terre d'accueil. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Mmh. Je vous fais une grosse bise. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rajouter Kevin sur Instagram. Il s'affiche aussi ici. Et en attendant, portez-vous bien et faites attention à vous. C'était Camoff. Gros bisous. Merci à vous. Ciao.